Alors tu connais peut-être Saïn Sigal? Il a fait une peine ici. Sigal? Bien sûr que je le connais. Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir si je dois prier pour lui. Non, tu ne devrais pas. Tu l'as bien connu? Suffisamment pour savoir que c'est une ordure. Et est-ce que tu sais si Sigal a un proche, un complice, quelqu'un qui aurait pu prendre sa relève? Eh bien, il avait plusieurs hommes de main. Il avait une fille. Elle venait le voir souvent. Il était tellement fier d'elle parce qu'elle était docteur. Et elle avait été portée disparue lors du tremblement de terre de Gölcsök. Elle a grandi dans un orphelinat. Il a une fille qui a disparu lors du tremblement de terre de 99. Personne ne sait si elle est vivante. Et d'ailleurs, si jamais tu veux sortir, tiens-moi au courant, d'accord? Le mot de passe, c'est le 1708. Est-ce que tu l'as déjà vue? Une fois, elle est venue au parloir. Je me souviens qu'elle a les cheveux châtain clair. On connaît seulement l'hôtel dans lequel est hébergé Saïn Sigal, le Silver Lemon. Un jour, sa photo a été publiée dans les journaux. Pourquoi? Elle est connue, cette femme? Non. Un homme d'affaires charitable a aidé l'hôpital dans lequel elle travaille. Cet homme lui a fait quitter l'orphelinat. Et il lui a obtenu une bourse. Grâce à lui, elle est devenue docteur. Cette ordure disait que sa fille était son héritière. T'as entendu? Ferhat? Ferhat! Gardien! Gardien! Ouvrez! Faut que j'appelle ma femme! Je dois appeler ma femme! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Calmez-vous! Ouvrez la porte! Calmez-vous! Ouvrez! Ouvrez! Laissez-moi sortir! Lâchez-moi! Lâchez-moi!